Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est les temps du blues qui font du bien. Hein. Ça se passe comme ça, mercredi 29 mai 2019. Alors, je vous propose aujourd'hui une rubrique consacrée aux pianistes et organistes avant tout, un peu chanteurs. Ron Levy, il est né le 29 mai 1951. Donc, il a 68 ans. Aujourd'hui, bon anniversaire. Alors, c'est intéressant de l'évoquer aussi car il appartient à une scène dont on parle assez peu, celle de la côte nord-est des États-Unis, car Levy, il vient du Massachusetts et puis donc il officie du côté de Boston. Il a débuté à la clarinette en fait, hein, mais il a opté assez vite pour le piano à 13 ans en voyant Ray Charles en concert, ce qui peut se comprendre. Puis en avançant en carrière, il va jouer donc aussi de plus en plus d'orgue. Alors, Ron Levy, il n'est peut-être pas si connu que ça des amateurs, car d'abord il chante peu, il ne vit pas dans une région entre guillemets historique du blues, à Chicago, à la Nouvelle-Orléans ou à Los Angeles. Et puis depuis 20 ou 25 ans, il se consacre d'ailleurs beaucoup plus au jazz, un petit peu à la soul. Mais bon, son CV plaide en sa faveur, vous allez comprendre, car en 1968, il n'a pas encore 17 ans quand il part en tournée avec Albert King. Et puis, pas très longtemps après, au début des années 70, il va changer de King et accompagner cette fois B.B. King, alors pendant 7 ans. Et il apparaît d'ailleurs sur plusieurs albums de B.B., hein, dont Live in Cook County Jail, Guess Who, Lucille Talks Back, et le premier live avec Bobby Blind. Hein, des albums qui ont compté dans la discographie quand même de B.B. King. Et puis ce sera Room Full of Blues dans les années 80, Ronnie Earl, et à la fin de cette même décennie, la formation de son propre groupe, le Wild Kingdom. Et puis Ron Levy va travailler aussi comme agent, producteur pour le label Bullseye, ce qui lui vaudra d'ailleurs, c'est son rôle en production, 9 nominations quand même aux Grammy Awards et des collaborations alors avec des gens bien, hein, Luther Guitar Junior Johnson, Charles Brown, Champion Jack Dupri, Ann Peebles, Bice Smith ou encore Lowell Folsom. Il va aussi créer sa propre marque, Cannonball, et puis écrire un livre. Malgré toutes ses activités, quand même, bah, sa discographie personnelle, elle est plutôt fournie, hein, avec une dizaine d'albums. Alors allez, on l'écoute maintenant au piano, mais aussi pour une fois au chant, ce qui était donc rare, vous l'aurez compris, avec le groupe Roomful of Blues pour une chanson intitulée Coconut Milk. We'll be right back.
Et voilà, Ron Levy, Coconut Milk. Donc, bon anniversaire, monsieur Ron Levy, pianiste, organiste, chanteur, qui a exactement 68 ans aujourd'hui. Page Blues in France, je vous propose de la passer avec le groupe ABK6. Alors, ça s'écrit ABK avec le chiffre 6, mais c'est aussi l'abréviation en quelque sorte du nom de Daniel ABK6, un chanteur et guitariste plutôt adepte de rock et de blues rock. Alors, il vient de me transmettre son dernier album, un live de 6 titres, hein, qui s'appelle Live at the Backstage à Paris, hein, donc ça se passait le 27 octobre 2018, et qui est sorti sur son propre label aussi, qui s'appelle Hypno Records. Alors, le groupe, hein, c'est un power trio, comme on dit, car outre ABK6 lui-même, il se compose de Bruno Burtre à la basse et de Jacques Plié à la batterie. Alors, à l'écoute, on est quand même bien plus, il faut le dire, hein, dans le rock que dans le blues, hein. En fait, seul le premier morceau avec de la slide, Need You So Bad, est en réel rapport avec le thème de cette émission. Sur quatre autres chansons, avec un usage aussi fréquent de la wah-wah, When I'm Gone, Adama, Summer's Gone et Mother Earth, ce dernier d'ailleurs avec une fin carrément speedée, on reste aussi dans le rock, hein. En revanche, sur un tempo, je dirais, moins soutenu, on a My Gay Ola Brother qui se démarque un peu avec une ambiance qui se rapproche un peu de la balade. Mais entendons-nous bien, hein, c'est compact, c'est énergique, et dans le genre, c'est irréprochable aussi. Mais une fois encore, dans le cadre de mon émission, je l'avoue, c'est quand même un peu borderline. Voilà, vous voilà prévenus. Donc, allez, pour illustrer tout cela, on écoute le morceau d'ouverture dont je parlais avec la slide, justement, Need You So Bad. Hey, bonsoir! Yeah.
Need You So Bad, c'est un extrait pour Blues in France du dernier album d'Abbé Cassis, le groupe de Daniel Abbé Cassis, s'appelle Live at the Backstage à Paris le 27 octobre 2018. Oui, on va rester en 2018, on va pas ramener un ciel en arrière, tout ça quand même. Sur son label Hypno, voilà, plus de précisions, vous avez l'habitude sur le site internet où je fais comme chaque jour un article dans lequel je reviens sur tout ce que j'ai dit, l'étendublues.com, l'abonnement à la chaîne si vous voulez bien aussi, et demain jeudi, il sera temps d'évoquer une réédition cette fois de la semaine. Salut, merci.